Rebonjour à tous et à toutes, ici Tubizero8 pour la cinquième et dernière partie de ma vidéo de mon inventaire. Donc là, ça va être la partie déco, donc c'est-à-dire tout ce qui est meuble. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, quand vous voulez placer un objet dans votre maison, donc là, admettons, je veux placer la corbeille, donc vous avez 4 emplacements, donc vous choisissez l'emplacement où vous voulez le placer. Et si vous voulez l'enlever, il suffit de recliquer dessus. Et ça s'enlève tout seul. Donc voilà, admettons que je vais le mettre là. Voilà. Donc après, mettre un petit V pour vous dire que vous avez placé la corbeille dans votre maison. Voilà. Donc là, admettons, je sais pas si Minette elle va y aller. Oui. Et quand un animal est sur votre objet, donc admettons là, Minette elle est dessus. Donc on ne peut pas enlever l'objet et on ne peut pas en mettre un autre à la place, sauf là elle vient de s'enlever, donc maintenant je peux. Voilà. Corbeille en rotin, confortable et bien aérée, cette corbeille est très pratique pour l'été. Panier douillet, ce panier permet à vos animaux de dormir en toute quiétude. Lit miniature, ce lit a tout d'un vrai, excepté la taille. Canapé d'angle, ce canapé d'angle est une parfaite oasis de détente. Sofa d'époque, sofa quelque peu ancien vendu avec un repose-pied imposant. Causeuse fantaisiste, révélez votre côté fleur bleue avec cette splendide causeuse. Canapé en cuir, le confort épouse l'élégance avec ce canapé en cuir noir. Fauteuil, pour une touche de luxe, rien de tel que ce fauteuil en cuir. Chaise œuf, cette chaise allie design et fonctionnalité. Chaise, carapace ou pas, cette chaise est plus confortable qu'elle ne le laisse paraître. Commode standard, cette commode sobre convient à n'importe quel intérieur. Commode d'époque, cette commode d'époque illustre parfaitement le style d'antan. Bibliothèque, cette bibliothèque donne une note intello à votre intérieur. Vaisselière, ce vaisselière en bois rend votre intérieur plus chaleureux. Étagère décorative, cet élément décoratif sera plaire aux amateurs d'art. Commode escalier, jadis, cette commode japonaise servait également d'escalier. Vitrine, vitrine élégante garnie de précieuses bibelots. Table et chaise rustique, table robuste et simple, parfaite pour la vie de tous les jours. Table et chaise champignon, ce set donne à votre intérieur une légère touche de fantaisie. Réfrigérateur, impossible d'ouvrir cette boîte remplie de bonnes choses. Ventilateur rétro, ce ventilateur a au moins le mérite d'être décoratif. Ventilateur moderne, rafraîchissez l'atmosphère grâce à ce ventilateur avant-gardise. Poêle à pétrole, rassemblez-vous autour de ce poêle rétro pour vous réchauffer. Là, hop, je vais le remettre. Bocal à poisson, ce joli petit poisson fascine chiot et chaton. Oh. Aquarium, qu'il est reposant de contempler ce poisson majestueux. Piano, les chatons sont des pianistes qui s'ignorent et vous raviront. Donc là, je vais le mettre là. Téléviseur cathodique, un téléviseur ancien, inutile de taper dessus s'il ne fonctionne mal. Téléviseur à écran plat, cet écran géant est parfait pour les soirées en famille. Arbre à chat simple, cet arbre à chat est si simple qu'il s'intègre à tout intérieur. Arbre à chat RT intermédiaire, son style épuré en fera presque une œuvre d'art. Arbre à chat complète.
Formidable terrain de jeu pour les chatons téméraires. Là, on va remettre la corbeille. Je suis partie trop loin. Hop. Voilà. Ça va, on a encore du temps. J'ai mis seulement 5 minutes là. Où ma mimine? Ah bah elle est au poêle. Donc là, Cookie, admettons, il est dessus. Donc si je veux mettre la corbeille, c'est pas possible. Donc là, j'enlève la corbeille, je clique et on peut pas. Voilà, maintenant, si on peut, je viens de s'enlever. Voilà, donc on va remettre la télé. Voilà. Donc, c'était la 5e et dernière vidéo de mon inventaire. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des vidéos de demande, à laisser des commentaires, etc. etc. Donc, aussi, si vous avez envie que je vous montre un accessoire ou autre particulier, donc vous me donnez le titre de l'accessoire que vous voulez que je vous montre et durant l'une de mes vidéos, ben, je le mettrai ou vous le montrerai. Voilà, gros bisous à tous, c'était Tubizoro8 pour mes vidéos de mon inventaire. Bye!